Salut à tous, bienvenue sur Xbox One Actu. On se retrouve aujourd'hui sur Dirt 5 et on va tester sur Xbox One et on refera mardi la version Xbox Series X. Donc n'hésitez pas à partager le stream. Et on est avec Jedi62, donc si vous avez des questions, il répondra à vos questions sur le chat. Et ouais, salut tout le monde, comment ça va? Donc on va vous présenter ce petit jeu bien sympathique. On va commencer un peu les streams cette semaine un peu plus poussée. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait de petits streams. Donc on va voir les modes de jeu. Donc il y a le mode carrière, le mode en ligne, mode arcade, le mode playground. Alors playground, je sais pas ce que c'est. Le garage et le profil. Donc on va commencer par regarder un petit peu les modes. Le mode carrière. Parce que ça propose. Donc là, c'est une découverte, hein, on vous précise. Ouais, est-ce qu'on n'a pas encore joué au jeu, hein? Parce qu'on n'a pas encore joué au jeu. On vient de l'avoir. C'est un brunch XXL. Je sais pas, moi j'ai coupé le son parce que sinon j'entends nos voix en écho. Alors c'est parti. Alors c'est parti. Alors terminer les épreuves vous Terminer les permet de épreuves. débloquer les épreuves connectées. Donc ok, donc ça bon, c'est comme dans les précédents Dirt. Donc ensuite donc accepter. Sélectionner une épreuve pour en consulter les détails et prendre la piste. Vous pouvez recevoir des timbres à chaque épreuve selon votre position à l'arrivée. Ok. Alors, donc ce que je vais faire, bah je vais prendre le premier circuit, hein, je vais pas batailler, je vais prendre celui-ci et on verra au fur et à mesure. Oui, bah de toute façon là voilà, Vu qu'on est en on veut voir ce découverte, que ça on va donne, hein. découvrir en même temps que vous. Salut Romain. Alors, donc en Ouais, voiture. Romain est là, ouais. Toi, t'as vu sur le chat ou pas? Ouais, j'ai une vue sur le chat, sur Ouais, tu me Twitch dis, hein. et Ouais. Facebook. Ok, ouais, c'est au cas où. Donc, alors, je regarde un peu les voitures. Donc, il y a la Ford Focus. Bon, je vais commencer avec la première. Je vais pas commencer à dépenser les crédits. Hop. Garde tes Je thunes. garde mes thunes, ouais. On verra plus sur Series Alors X, plus plus de détails. Donc, là, je détails. dépenserai mes sous, là. Pour Je l'instant, je vais vais découvrir le jeu en même temps que découvrir vous. le jeu en même temps. Alors, Je te l'ai dit. Ouais, comme tu dis, Romain. Ouais. Ouais, comme tu dis, Romain. Ça, c'est à Ah, cause du bah, de chat toute noir, ça. façon. C'est à cause du chat noir. Tu l'entends rigoler, t'as vu? T'avais pas besoin de Ouais, faire de ça non toute plus. façon, on se demande pourquoi on les précommande, ces consoles, donc. Alors. Ouais, temps de chargement, comme ça on fera Temps de chargement, comme ça on fera le comparo avec le la version comparatif. Série X. Installé sur le SSD. Ouais, c'est vrai que les premières années, il y a C'est beaucoup vrai de que les remasters sur premières les années, il y a consoles. beaucoup de remasters. Ah bah oui, hein, de toute façon. Alors, Ultra Cross. Ultra Donc, Cross. Scodia Fabia. Scodia Fabia. Rallye Evolution. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti.
Mais c'est vrai que cette ouais, cette génération avec avec le Covid, tout ça, moi je me dis ils auraient pas dû ils auraient peut-être dû les repousser à l'année à Noël prochain. Noël 2021. Oh, ça aurait été trop long. Qu'ils soient prêts. Non, qu'ils soient prêts avec des jeux. Là au final, c'est vrai que ce soit Xbox ou PlayStation, hein, je veux dire, là, il n'y a pas. Que ce soit Xbox ou PlayStation, on est bien d'accord. Il n'y a pas grand chose qui dise il me la faut là. En fait, il y a. Parce que sur Xbox One, même on disait que le lancement était catastrophique, mais sur Xbox One, t'avais quand même. T'avais Rise qui est sorti, t'avais Dead Rising 3, t'avais Cameo, non Cameo c'était sur Xbox 360, mais, ouais. Mais t'avais 3 ou 4 jeux, et t'avais Zoo Tycoon, Forza 5, t'avais Forza 5, donc t'avais 3 ou 4 jeux quand même qui disaient, FIFA 14 aussi que j'avais fait refait, là c'est à dire on n'a même pas de FIFA ouais, refait non plus. Non, il n'y a même pas de FIFA refait, et à noter qu'on n'a même pas un jeu offert quand même au final pour les premières préco. Moi j'avais eu FIFA, j'avais eu FIFA Forza, avec ouais. La ouais. Je sais pas ce que vous aviez eu tout ça, mais ouais, ah oui, non mais bien sûr Romain, il y a Romain, il dit mal commencer pour mieux finir, mais oui bien sûr, mais après après, je trouve dommage à Microsoft, ils n'ont vraiment pas de chance, parce que l'idée du All Access, c'est une super idée pour amener des joueurs. Et au final, bah, les enseignes ne jouent pas le jeu. Bon, après, c'était un petit peu couru d'avance, parce qu'en gros, si tu vends une série X ou une série S à un mec en All Access, tu sais que tu vas pas le revoir, quoi. Ou très peu. Ah, c'est sûr. Parce qu'il aura son Game Pass. Et s'il achète une US, ben il va prendre forcément c'est du démat, donc il prendra tous ses jeux en démat, quoi. Même si le stockage de la série S est tout rikiki. Et le point positif, c'est qu'il y aura toujours possibilité de partage de compte. Par contre, sans plus sur la ne pas parler. Hein. Non. On découvre ça ensemble. De toute façon, on découvre avec la PlayStation, j'ai l'impression qu'on découvre des choses chaque jour. Donc, il y a beaucoup de trucs en embargo. Ouais. Bah déjà, elle est sacrément. C'est quand même fou parce que elle est sortie. Non, elle sort le 12. Aux States, ouais. Aux States. Et moi, je la verrais. Et franchement. Moi je la verrais bien sortir le 13 ou le 14. Tu sais pourquoi? Parce que j'ai précommandé sur Amazon Miles Morales. Bah, avec le Spider-Man 4, enfin le Spider-Man et PS4, la grosse édition. Et j'ai eu un message aujourd'hui comme quoi j'étais livré le 14. Ah ouais, donc en fait il livre les jeux avant. Ouais. Après j'ai pas pris ma console j'ai pas pris ma console chez eux, hein, donc Alors je vais choisir un autre circuit. Donc Modern Rally, Modern Rally, on va voir ça. Par contre je vais regarder un peu mon rendu Twitch parce que. Alors. Ah, tu stream en 720 toi sur Twitch. Je sais pas. Si là ça me met que t'es en 720. La source est en 720. Il est sacrément beau. Hein. Moi je prends français c'est discours. Cocorico, eh ben moi je prends. Ah ouais, ils sont plus trop français du coup Micromania. Enfin après Micromania, franchement, avec Expert, on a réservé nos consoles chez eux. Franchement, ouais, c'était un calvaire. Ils nous ont fait des frayeurs. Hein. Il y a un moment où on s'est demandé si on allait vraiment avoir. Ouais bah c'est clair. On s'est vraiment demandé si on allait l'avoir, quoi.
Bon, impatient de voir ce que le SSD Bah va déjà, les faire, temps de parce que là, les chargement, là, chargements... ils sont longs. Ouais, les Ils sont chargements... longs, ils sont balèzes. Ouais, voilà, c'est ce que j'étais en train de me dire. C'est pour ça que j'étais en train de me dire, on va voir ce que le SSD fait. Parce qu'on n'en a pas vu beaucoup, non. Enfin, je parle des jeux exclusifs Xbox, parce que je sais que, bah, par exemple, Spider-Man, pour lancer le jeu, c'est 2 secondes. Ouais. C'est juste énorme, quand même. 2 secondes. Par contre, ils expliquaient que la PS5 était beaucoup plus longue. Ah, après, ce sont des détails, hein, on s'en fout. Hein. Elle était plus longue à démarrer. Genre, la Xbox, elle démarre, la Series X, elle En démarre 2 secondes. en SX. Elle démarre en 3-4 secondes et la PS5, elle démarre en 10 secondes, quoi. Après, il faut arrêter aussi. Enfin, tu vois. Non, mais. Non, mais même si. Non, mais. Même si on doit attendre, même si c'était Les l'inverse, disques il durs, fallait effectivement, attendre 10 secondes pour 600 Go qu'elle aussi sont lance. ajoutés déjà. Ouais, et 800, 820 et quelques, un peu plus de 800 Un gigas call off d'écart. sur la série. Stockage. Ouais, voilà, un call of d'écart. Et après, c'est ce que j'ai. Ce parce qu'on avait fait un débat sur la chaîne YouTube de Seb Sol, auquel j'avais participé. Il faut pas oublier une chose, il y en a une que je trouve qui est vraiment oubliée dans les tests. Ils testent tous la série X, mais aucun ne teste la série Bah S. si, hein, les tests sont La tombés plupart. avant-hier. Non, mais la plupart des tests que je vois, c'est souvent la X. Non mais t'as pas vu Après, la bon. S, ils ont tout testé. En fait c'est une X Ah, mais j'ai en pas vu cette 1080p en fait. D'accord, bah, de toute façon, elle est bien. Au Elle niveau supporte pas qualité et tout ça, 1440. ouais. Mais au niveau Elle vitesse de supporte les chargement et tout ça, 1440. elle est exactement pareille. Elle est identique. Et sinon, poteau, alors, comment tu vas? Pas trop triste avec l'OM? Alors, surtout. Oui, ah ouais, non mais oui. C'est vrai que les temps de chargement avait été vendu réduit sur cette génération, la génération qui est en train de se terminer. Quand les Xbox One et puis Ouais, mais ça va être ça la les PlayStation révolution au 4, départ pour nous. Ça va être les temps de chargement, la fluidité dans les menus et tout ça en attendant. Et puis un meilleur confort pour les jeux, tu vois. Ça va être ça au départ. Même s'il faut attendre 2-3 mois pour avoir des jeux next-gen. De toute manière, les premiers jeux next-gen qu'on a vus sur Xbox One, moi je me souviens que la première claque que j'avais prise c'était avec Assassin's Creed. J'avais sorti un Assassin's Creed, on avait pris une grosse baffe parce qu'on disait, ah ouais, là d'accord, on est dans de la next-gen. De toute façon, Assassin's Creed, on fera le stream lundi sur Ouais. version Xbox One Sur et la on version refera le Xbox stream sur Series X le mardi. Voilà, comme ça on vous fera Un comparatif du framerate et tout ça. voilà. On vous fera pas des lives, on vous fera pas des lives d'une heure, hein, bien sûr. Mais parce que forcément, on veut essayer de vous en présenter. De toute façon, on vous présentera un maximum de jeux sur Series X. Parce que bah, nous, on n'aura pas de S, donc Ah, la on a pluie et tout pris ça, elle est l'option bien faite pour dans le les jeu. deux. Ouais, et puis même là je vois La la boue boue et tout sur la ça, ouais, voiture à putain, c'est l'arrière et bien tout fait. là. Et on vous présentera donc des jeux, une majorité de jeux sur. On vous présentera bah, mardi déjà, on vous fera Falconir. Ah oui, il y a On va vous Falconer faire aussi, ouais. Falconir. Ouais, on va vous Watch présenter Dog. ça. Watch Dogs, Légion, Assassin's Creed. Enfin, on va vous présenter vraiment beaucoup de choses. Mais ce sera pas tout mardi. Je veux dire, on va vous en faire mardi, mercredi, on va étaler sur la semaine. Et ça nous amènera doucement au 19 pour vous faire l'unboxing de la PS5. Et sur PS5, on vous proposera des gameplays de Godfall, de Spider-Man, d'Astro Boy, de Sackboy. Donc on va vraiment vous présenter sur la next-gen, on va vraiment vous présenter beaucoup de jeux. Hein. On devrait vous faire également un live sur 13.
Donc il va y avoir il va y avoir de quoi En faire. fait, il n'y a même pas besoin d'acheter de En fait, voiture, il en n'y a fait, même pas parce que besoin les voitures d'acheter qui de donnent voiture, de en fait, base, parce elles que sont les très voitures bien. comme de base, elles sont très Là, bien. j'arrive sous Ouais, ton premier. elle a l'air de bien rouler, ouais. Bon, après, je sais que les collines Macrae, enfin les dirt, au début, on te fait gagner. Toi, c'est pas trop dur de gagner, parce que même moi, je gagne. Mais après, ça se complique. Ouais. Ah ouais, puis Unity en plus Ouais, comment il Unity, en tourne, je sais plus, pas si t'as comment... vu Ouais. Romain sur Série X, il tourne super Sur bien. Série X, ils sont super bien. Si tu l'avais pas fini. Tu l'avais pas fini. Il tourne dans 60 FPS et Il tout tourne à ça, il 60 est FPS et upscalé tout et ça, tout. il est upscalé. Ah ouais, il y a Bus Yes! Simulator Ah, il y aussi, a ouais. Bus Simulator aussi. Ah bah ouais, bah ça, ça, de toute façon, hey, poto, si tu le prends, tu sais très bien que sur le stream, t'es avec nous, hein. Ah, Romain, s'il prend le petit Bus Simulator, on sera forcément à 3 sur le stream. Ah oui, bah oui, ça Ça, c'est sûr. je suis assez bluffé par la boue tout ça là. Ouais, c'est bien fait, hein. Et encore, Ah, on n'est c'est pas bien sur fait. Série X, Oh, on alors n'est pas sur sur Série X, à ce Série qui X. paraît, il est encore plus Sur beau. Série X, ça se trouve, il est encore plus beau. Alors, Ouais, mais par contre, il est inférieur à la version inférieur à la version PS5 apparemment. Après, faut attendre les Après, faut embargos de la attendre les PlayStation embargos de la PlayStation. pour comparer, parce qu'ils n'ont pas encore Il mis faut les parler vidéos. parce qu'ils n'ont pas encore mis les vidéos. Moi, j'attends Digital Foundry. Digital Foundry a déjà fait des tests sur Digital la Foundry, déjà fait des PlayStation tests là. sur la Mais ils n'ont pas encore fait tous les tests parce que Mais ils n'ont tout est pas encore encore fait sous tous les tests embargo. parce que tout est encore sous Donc c'est ça embargo. le problème. C'est le problème. Hey, il y a Soldier, je crois. Y a Soldier, tu crois? Soldier, je crois qu'il est sur Twitch. C'est écrit en haut. Allez, c'est parti. Alors par contre, Allez, c'est parti. ouais, par contre les chargements sont un peu longs. Ouais. Ouais, parce que là c'est une démo, là en fait ça te présente un peu les... C'est le tuto, ça te présente tous les différents modes de jeu. Ouais. Les différentes, Ouais, cat... les mais... différentes catégories. Ouais. Mais bien, bien, franchement beau. Après moi je suis pas du tout jeu de bagnole, donc voilà. Bah pareil, t'as vu la fluidité de Forza aussi, Forza Horizon 4. Ah ouais, ça va être un Oh, plaisir pourquoi de jouer dessus. on... Gear 5 aussi, on Ouais, je pense que refera... t'as... Ouais. Je l'ai pas Mais fini c'est vrai que je exprès, pense hein. que t'as raison. Ouais, je pense que t'as raison. C'est que la première année, on va avoir un... Ça va nous apporter un confort de jeu. Et à Noël prochain, donc Noël 2021, on va commencer certainement à avoir des petits jeux qui vont sortir du lot, qui vont nous mettre une petite claque next-gen. Et je pense qu'en milieu d'année, on va Et je avoir une pense qu'en bêta, milieu tu sais, d'année, d'Halo on va avoir une Infinite, un bêta truc qui comme s'ouvre. ça. Ouais, bah c'est mieux, j'espère. Et donc... T'as pas fait Odyssée? Odyssée, Odyssée! il est tout bien. Oh putain, Odyssée est super bien. Ah, Hein. Je l'ai pas fini moi parce qu'il ouais. est J'ai pas carrément fini trop long. Ouais. Odyssée. Il y a au moins 200 heures de Mais jeu. Odyssée. Ouais, mais Odyssée. Moi, perso, Odyssée Origine, je les ai beaucoup aimés. Même si on a souvent reproché que. Origine, je l'ai Même si on fini. a souvent reproché. Même si on a souvent reproché que Odyssée c'était Origine, mais dans une autre époque. Moi, je l'ai adoré. Moi, j'ai adoré les deux. Bien. C'est bien fait la fumée, la poussière qui s'envole avec le vent et tout. Ah, tu vas voir l'accident aussi, est pas mal. Waouh! Wow, comment t'as mangé le rocher! La voiture, on l'a eu mal. Il va peut-être falloir que je m'achète une parce que Volkswagen elle avance pas trop terriblement. Par contre, j'ai vu, c'est en miles. Je viens de voir les trucs. Oh, tu peux peut-être le changer dans les Ouais. options, ce genre de truc. Mais c'est marrant qu'il n'ait pas d'office en Alors plus. vous, on vous précise et, ah, d'ailleurs. On vous précise également, dans le jeu, il y a de la musique. C'est juste qu'on coupe la musique parce que sinon nos streams sont arrêtés. Des fois on s'est déjà fait striker en direct nos streams. Ouais, Donc pour bien sûr il y a de la musique. Bah là, c'est la musique, c'est du rock, Ouais, c'est un c'est peu la de tout en musique. fait. Si tu Ouais, aimes bah un peu c'est ce qui se le prête. genre de bande son, C'est ce qui se prête au monde du rallye, tout Ouais. ça. Hein. C'est souvent du rock. Rock un peu agressif. Mais vraiment, les dégâts et tout ça, Ouais, vraiment les dégâts et ça. la voiture qui salit et tout ça, La bah voiture après, qui dirt, s'allie hein, et c'est ça, normal, après, hein. bien. Ouais. Donc, voilà, c'est bien fait. Ouais, c'est bien fait.
Et Romain, il va y avoir il y a peut-être un jeu où on va faire un stream dessus sur Series X qui sort. Je me souviens jamais du tout. Là, par contre, à Sony, t'arrêtes pas de mettre des pubs depuis tout à l'heure, ça me saoule. Ouais, à 7,99 là, le jeu qui coûte 8 euros là. Ah, j'ai plus le titre. Ah, bordel. C'est quoi le titre expert? Lequel? Lequel? Le jeu à 7,99, on va proposer un Ah live oui, dessus aussi là. Break. Break dedans. Bright Memory. Bright Memory, voilà, Bright Memory. Je pense qu'il peut être bien sympa, puis ça peut être une belle petite démo technique Ah oui, putain, de la technologie et tout. Et le jeu, il va être à 7,99 quoi, il va être à 8 balles. Et Et l'optimiser c'est le numéro 1. Série X en plus. Ouais, c'est le numéro 1 des jeux. Microsoft avait présenté pendant un Inside un jeu Ouais, où c'est on la courait suite, sur ouais. les murs, il y avait une tempête et tout, et ben voilà. Ça c'est la suite et là c'est le premier en fait qui était déjà sorti sur PC. Et je pense que ça peut je pense que ça peut envoyer ça peut envoyer du lourd. Puis pour 8 euros il n'y a pas de Ouais, déception. après il est pas c'est pas un gros jeu hein, c'est un jeu qui dure C'est une pas heure un hein. gros jeu là, c'est un Mais voilà, ça peut être Ouais, mais ça sympa. peut être sympa. 8 euros. Toi. C'est une démo technique parce Eh, qu'il il y a le faut 2 pas qui sort. oublier. Ouais. Eh, il faut pas oublier une chose. Il faut pas oublier une chose, c'est que il n'y a pas si longtemps que ça, on nous vendait des Call of Duty qui duraient 3h30, 4h, 70 balles. Hein. En ce qui concerne le solo, hein, je parle, bien sûr. Ah, je crois que c'est de la neige là, non? Ah, je pense que c'est la neige, là, non? Ouais, je pense. Bah oui, bah de toute façon, t'as eu la terre, t'as eu la boue, t'as eu les buggy. Ouais. Donc ouais, ça va sûrement changer, ouais. Ouais. Ça va sûrement changer, là. Ah, ça va vraiment glisser plus. T'as des sensations différentes de. T'as des sensations différentes de jeu ou pas? J'ai les retours haptiques Suivant. sur les Retour gâchettes. optique sur les Non, gâchettes. suivant. Non, mais je veux dire par rapport à. Suivant où tu verras la boue, la terre, la voiture, elle accroche mieux, elle patine mieux. Ouais, ça glisse un peu Ça, plus, tu ouais. vois? Ouais, ça glisse un peu plus. Ouais. Bah après, pour l'instant, comme c'est ils te Après, pour présentent les l'instant, circuits, comme pour l'instant, c'est c'est pas. les circuits, J'ai pas encore de difficulté pour l'instant. c'est pas encore difficile. Par contre, les temps de chargement, ouais, ils sont longs. Ouais, c'est long pour changer des circuits. Hein. C'est rare dans les. C'est rare dans les jeux comme Et c'est ça. pour ça, c'est ce qu'on disait, hein. Une fois qu'on aura goûté la série X, on retournera plus sur One. Avec les temps de chargement et Bah tout, ouais, c'est marrant. waouh, ah ouais, c'est beau là. Et on précise, il n'y a pas de ray tracing et Bah déjà, ils compagnie. ont lancé Battlefield 6. Ça m'intéresse, ça. Pour l'année prochaine. Oui. Et Star Wars le 10, si tu l'as pas fait, Romain, Star Wars Fallen Order. Jedi Fallen Order, il sera dans le Game Pass. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Un excellent jeu. Un excellent jeu solo qu'Expert a fait. Alors, Expert a fait un jeu solo, donc si Après, c'est lui Star trouve Wars. qu'il est excellent, c'est qu'il est au-dessus de tout. Après, c'est Star T'as Wars. vu les petits trailers d'Obi-Wan? Les petits trailers un peu fans Ouais, de Kenobi? j'avoue. Oh là 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 là. Ah, moi, ça donne envie, hein. Ils ont pas encore commencé le tournage, hein, parce Ils ont pas qu'avec le encore Covid, ils devaient commencé. Non, commencer, bah là, ils l'ont oui. repoussé. Bon, de toute façon, le Covid, il a embêté tout le monde, hein, parce que là, on est quand même. De toute façon, il faut pas se leurrer, hein. Ce sera la seule et unique génération qui sortira dans des conditions sanitaires comme ça. Hein. Dans 7 ans, on devrait se débarrasser du Covid, de la Covid-19, je pense. Pour la prochaine génération. Même le bruit des moteurs là, ça c'est pas mal. Ouais, et puis là, je vois là l'eau et tout, c'est Ah c'est bien waouh. fait. Ah oh, moi je trouve ça super beau, hein, vraiment.
Après, il y a un mode très, très performance joli. graphique sur le jeu. Ça s'intéresse. Bon, après, sur ce genre de jeu, je pense qu'il mieux vaut choisir le mode performance. Mieux vaut avoir la fluidité, je pense. Non? Ah, bah, j'ai choisi le mode graphique, tu vois. Pour le stress. Ouais, parce que. Non, je sais pas, ouais, mais tu dois, genre, avoir plus de fluidité. Après. Là donc en route t'es en 30 maximum 30 fps, ouais, ça passe nickel hein. Vraiment ça passe super hein, après faut vraiment chipoter la météo qui change comme ça en temps réel, c'est pas mal aussi, tu vois la pluie, tu passes au soleil, et la pluie, ça c'est bien fait, les flaques d'eau et tout hein. Ouais, et puis on voit bah en fait où est-ce que j'ai entendu ça? Ils expliquaient, tu sais, le ray tracing, en fait, ça apporte des reflets, quoi. Ouais. Ça apporte des reflets, et au final, la plupart des éditeurs, ils ont créé leur moteur maison avec ce fameux reflet, toi, qui est simulé. Et du coup, c'est vrai qu'on n'aura peut-être pas la grosse claque. Toi, moi, je joue à Watch Dogs Legion, il y a des reflets des bâtiments dans l'eau, tu vois. Ouais. Encore là, ouais, je suis là. Si je crois que le jeu a bugué parce que quand j'appuie sur A, ça marche pas. Ah, attends, je vais essayer de voir. Je vais le couper, on va le relancer. Bon, premier crash. Bah, du après, jeu. Après le jeu n'est pas encore sorti, il faut pas l'oublier. Hein. Il y aura un patch day one. Hein. Ouais, il y aura un patch day one. Hein. Le patch day one n'est pas encore sorti. Ouais, il y aura. Ouais, il y aura un patch day one. Sort vendredi le jeu, c'est ça? Sort vendredi, ouais. Attends, mardi. Enfin, il sort. Mardi. Non, il sort mardi. Il sort avec la série. Je sais plus quel jour, oui. Là, on a seulement accès à la version. Pour ceux qui prennent la version ultimate. Là. J'appelle ça Ultimate, la version plus chère, la version 4 avec Season Pass. Il est déjà disponible pour les personnes qu'on pourrait commander comme ça. Ah ouais. Bon, déjà, le mode carrière, il est pas mal. Regarde. Regarde là, ce qu'il dit. J'ai une question, Jérémy. Donc, tu peux me donner de l'argent et combien? Je sais pas. Ça peut se négocier. On peut t'envoyer un jeu. Si tu veux. Alors, j'en étais où? Du coup. Est-ce que ça a sauvegardé ma de carrière? Je sais pas, oui. Oh, les tracteurs. Et les courses de tracteurs. Ouais. Vas-y, bah mets les tracteurs. Eh hey, mais c'est dans celui-là. C'est pas dans Dirt qu'il y a des courses de tondeuse, tout ça? Ah, je sais pas. Mais si, je crois. Enfin, je suis pas sûr, mais je crois. Il y en avait dans Werkfest. C'est les courses de tondeuse et tout ça. Eh, c'est vrai ça. Il y a une question qui a été posée qui est vraie. Qui a gagné le concours? J'ai pas vu passer le truc. Plus, c'est Guillaume, je sais plus quoi. Ouais, c'était Guillaume. Mais on l'a pas annoncé, mis. Ouais. On a contacté le gars et on l'a pas annoncé. Ouais. Bah après, il y avait. Si on n'avait pas gagné beaucoup d'abonnés, tout ça, on a zappé. Hein. On a zappé le truc. Un jeu à 70 balles. Ouais, un jeu à 70 balles, on a fait gagner un jeu à 70 balles et. Personne n'a participé au concours. Non, c'était pas le jeu, c'était. C'était Ride 4 le jeu. Ouais, Ride 4, donc du coup on a abandonné le truc. Hein. Les pneus sont bien faits par contre. Je vais mettre en kilomètre-heure après parce que en race, ça va être bien sûr. Tu connais pas ta vitesse.
Si, il faut que je multiplie par un kilomètre 609. J'ai pas le temps là, j'ai pas de calculatrice. Ouais. Ouais, et puis ça peut être un peu chiant. Ah, t'as vu, tu dois faire deux déplacements en 10 secondes. Ouais, très vite, c'est plus que j'ai fait la peinture aussi. Ouais. Je l'ai fait. Bon, ça va. Échange de peinture, en général, moi ça je le fais facilement aussi. Hein. Il suffit de se frotter un peu une voiture après, en virage. Après, les différentes fumes, je les ouais. Après. Ah, par contre, il est raide. Le... Oh, bah, tu es raide. Ouais, bah, en même temps, je pense qu'un tracteur... Eh, il y a deux chemins. Ouais, mais il y a plusieurs chemins. Ouais, ah, ouais, il y a plusieurs chemins. Ouais, pas mal ça aussi. Comment est dans le jeu de radio sur mon 3 WRC9. Oui, on vous montrera WRC9 quand vous avez proposé du let's play sur vous avez proposé du let's play sur Xbox One et là on vous proposera sur Series. Donc bien sûr tout ce qu'on vous présentera nous ce sera sur Series X hein, parce que on n'a pas acheté une X et une S. Même si, la S n'est pas à négliger. Contrairement à ce que beaucoup de pseudo-journalistes disent, elle n'est pas à négliger la S. La S est une très 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 bonne machine pour entrer dans la next gen. Exactement, c'est la même. Pour entrer dans la next gen, c'est... Voilà, il faut se dire que tout le monde n'a pas 500 € à mettre, tout ça, et... Ou, si on a le disque dur de 300 gigas, c'est pareil. Hein. Watch Dog, il fait 30 gigas sur la série. Ah, voilà. Il est plus. Ah oui, non, mais c'est ça. Hein. Parce que les jeux, ils vont être 30% moins gros que sur. Bah, t'auras pas les textures 4K, t'auras pas tout ça en fait. Il y a le quick resume et tout ça comme sur la série. Oui, elle fait tout. Et il faut savoir. Oh bah t'es refait, Romain il a Assassin's Creed qui est à 54 et il a une cagnotte de 10. Bah voilà, 44 balles peu foncées. Hein. Pourquoi pour Assassin's Creed? Ouais. Et oui donc je disais, il faut savoir que parce qu'ils disent tous ouais ça, mais alors il y a la vidéo d'Over Smash. Sichuan qui explique. Attends, 30 secondes, je te coupe. Le Romain, si ouais. Tu prends Assassin's Creed, tu peux déjà télécharger. Comme ça, quand tu auras le jeu, tu auras juste à l'installer. Tu auras juste à le lancer et il se lancera direct. Tu peux le télécharger avant. Oui, tu peux préinstaller tes jeux, ouais. Et oui, donc je disais. Je sais plus du coup. Ah, bah c'est encore bug. Oui, il y a Over Smash qui explique très très bien. Bien. On a besoin d'installer les jeux sur le SSD pour jouer, les jeux Series X, mais on peut très bien stocker les jeux sur un disque dur externe, classique. Pour 60 Go, ça prend environ 10 minutes pour le remettre sur le disque dur SSD de la Series X. Donc, mais allez voir sa vidéo, il explique ça, c'est Over Smash, c'est Titoine, c'est le streamer Xbox. Et... Ouais, pour pouvoir stocker ses jeux, c'est pas mal. Pour pouvoir... Pas voilà, comme sur PlayStation, parce que je sais pas si vous avez vu la news aujourd'hui, mais PlayStation, il n'y a pas d'option pour l'instant. Hein. Vous avez juste le disque dur interne, c'est pour l'instant, il bloque. Il n'y a pas d'extension de mémoire, donc ça la fout mal, quoi. Ouais, pour l'instant, il bloque. On peut pas brancher le disque dur externe. Pour l'instant, c'est simple. Pour l'instant, t'as la mémoire... T'as la mémoire de la console. Bon, après, il n'y a pas non plus 200 000 jeux. Hein. Ouais, mais moi, bon, bah, je fais tourner au moins 15-20 jeux sur ma console. Quoi. Rien que Warzone, déjà, avec Call of, il fait déjà pratiquement 200 gigas. C'est juste... c'est parce que c'est un éditeur indépendant aussi. Il a mal optimisé son jeu, c'est pour ça. Parce qu'il y a pas mal de monde qui achète une PlayStation pour jouer à Call of. Alors, donc Modori, Playground, c'est...
des tricks et du flic. On va essayer un peu le mode On va essayer un peu playground, le là, voir un mode peu ce que ça donne. de Vitrine ce qu'il créateur. Ah, c'est des photos. créateur. Ah, c'est des photos. Et après, il faut pas. Arcade contre la montre. En ligne, bah en ligne, c'est le mode en ligne. Après, moi, je te cache pas que j'achète pas une Xbox Series X pour jouer à Warzone, hein, ou à Fortnite. Hein. Tour, ok. Moi, Moi, si je joue à Warzone sur la série X, ça c'est sûr et certain. de base, de base, je voulais jouer à The Medium. Et j'y jouerai pas cette année. Ah, je vais acheter la petite polo là. Allez, c'est parti, on va changer un peu de Allez, c'est voiture et je veux parti. montrer un peu les vues On va intérieures, les Oh! internes et tout. Oh non! Oh non! Romain, il bosse le. Romain, le 10, il finit à 17h. Et le 11, il bosse. Ah bah comme moi. Ah bah comme moi. Bon, alors ce qu'il Ah, faudrait que le tu 10 est fini à fasses, Romain, 17h30, moi. tu pourras regarder nos unboxings et nos jeux, comme on te montrera Assassin's Creed. Non, Assassin's Creed, par respect pour toi, on te le présentera pas le mardi, on le mettra le mercredi, comme ça. On va le faire lundi déjà, ça s'inscrit. Enfin, déjà, ça Ouais, en Ouais, Xbox en One. Xbox One. X. Lundi après-midi. Alors je vais montrer un petit peu ce qu'il y a à faire en ville. Waouh! Ah, toute l'eau là? Ah, ça fait bizarre l'eau. Enfin, je sais pas si c'est le rendu Twitch. Ah, voilà les Voilà, vues. une interne avec Ah, d'ailleurs, est-ce que t'as de la boue qui part sur Ouais, tes pare-brise? je vois pas un petit peu. Ouais, je Oh, moi cette vue là, je. Déjà quand je vois la bagnole, j'ai du mal à voir, alors là, cette vue là, ouais. Moi je suis tout le temps comme ça, Je hein. mange Je tous suis les tout le murs. temps en vue interne. Ah, et d'ailleurs sur PS5, il y a un petit détail aussi. C'est qu'il faudra demander un adaptateur pour pouvoir jouer au casque VR. Ah, déjà t'as la vue. Parce que tu n'as pas le port, le port pour le VR. Faut que tu demandes à Sony, il te l'envoie. C'est gratuit. En donnant le pour le numéro de moment. série, bien sûr, du Demain, casque, si tu veux pas le commander. oui Parce que oui j'avais pas. numéro de série du casque et de la console. Ouais, et du boîtier derrière, tu sais, du casque derrière. Ah oui, bah oui, bah c'est logique, hein. Après, il faut voir combien de temps ils vont le faire, parce que moi, par exemple, je me suis fait avoir quand la S est sortie, Microsoft, ils offraient l'adaptateur pour notre Kinect, et puis bah, au final, aujourd'hui, je me retrouve avec un Kinect et je peux plus me brancher nulle part, quoi. Parce que il faut que j'achète l'adaptateur et j'ai pas envie de l'acheter. Déjà, j'avais pas envie d'acheter Kinect. En 2013. Bon, en tant que bon soldat. Ah, tu peux regarder à l'intérieur du cockpit. Ouais, tu peux regarder, ouais. C'est pour ça que j'étais en Ouais, train de tu peux regarder en même regarder, temps, mais j'avais pas vu voilà, l'intérieur juste après. Par contre, la vue interne, elle est c'est plus immersive que la vue externe. l'intérieur. Alors, après, c'est assez normal, mais c'est bien plus. Tu sais, c'est plus. Je sais pas comment expliquer, c'est plus. Action, quoi. Ou alors c'est peut-être la polo qui fait ça, les Ouais, têtes c'est un peu peut-être un peu nerveuses. qui fait ça, les têtes nerveuses. Ouais, moi je fais comme toi, poto, j'essaye. Alors, expert, il est au taquet, il regarde toutes les vidéos possibles et imaginables. Moi, j'essaie de regarder le moins Ah, moi possible j'ai tout de regardé. vidéos. Oh, la neige, comment c'est beau. On a vraiment l'impression que c'est de la vraie neige. Moi j'ai tout regardé. Moi, j'ai tout regardé. Ah, d'ailleurs, il y a une question que je me pose. Moi, il y a un jeu que je vais me relancer aussi sur Series X. C'est Tomb Raider. Parce que de base, il est Ah oui, déjà bah, il est plus magnifique. rapide le jeu, donc si on joue, j'ai vu qu'il était Ah, 60 bah, FPS aussi, ou 80. voilà, et puis il va être amélioré un petit peu graphiquement, un peu comme Red Dead, hein, parce qu'il faut savoir que Ah oui, le HDR, la ouais, Xbox. le HDR automatique. Il faut savoir que les séries.
les séries amélioreront sans avoir besoin aux éditeurs de faire quoi que ce soit, ils auront des améliorations graphiques. Hein. C'est la console qui. Ce sont les consoles qui feront ça en temps réel. Faut pas l'oublier, hein. Et que ce soit la S ou la X. Hein. Ah, par contre, il y a Julien Chiez, dans sa vidéo, il a juste dit que la PlayStation, elle était complètement laide et qu'il l'a trouvé dégueulasse. Ah ouais. Ouais, la PlayStation. C'est le seul point négatif qu'il ait trouvé. Non, même pas. C'est le seul point négatif. Ouais. Parce qu'elle est vraiment trop grande. Après, là, vraiment trop de place. Après, Microsoft, ils n'ont pas pris de risque. Ils ont fait une mini tour PC, c'est la meilleure idée. Ça passe. Ce qu'ils disent tous, toi, c'est que. En fait, la Xbox, elle passe nickel dans ton salon. Et la Play, bleu et orange. Ouais. C'est quand ouais, tu voilà. La veille, elle se met en orange, c'est la PlayStation. Ouais. Ça éclaire toute ta pièce. Ouais. Alors après, moi, honnêtement, et tu te souviens, on en parlait, j'aurais bien aimé avoir le truc au-dessus de la Series X, ce soit une petite lumière verte. Ouais, ça je comprends pas que t'aies pas fait parce qu'en fait c'est tout en accroché avec les lumières vertes avec le logo. Non mais je veux dire, c'est qu'ils se reflètent aujourd'hui, aujourd'hui ils mettent 3 LED et demi, ça coûte pas un bras quoi. Ah bah non, pas surtout la LED, hein, ça coûte très bien. Non mais voilà, et j'avoue que sur ce coup là, vers la PlayStation, on l'a pas encore vu s'allumer bien sûr parce qu'ils ont pas encore le droit de le montrer, mais je pense que le soir ça doit quand même être bien classe. Toi, ça doit être beau. Ouais. Après, la petite lumière orange tout le temps, ça va peut-être me saouler. Mais quand je joue, ça va pas me déranger, quoi. Tu es en forme, hein, premier. Ouais, j'ai l'impression que le jeu est vachement simple. Ouais, pareil. Pareil, Romain. Exactement la même. De quoi même... Romain... Cyberpunk, moi j'essaie de rien regarder. Ah ouais, toi je sais que t'avais été voir. J'ai tout vu Cyberpunk, ça m'a même déshypé du jeu, tu vois, parce qu'en fait ils en ont trop montré. Je vais voir un petit peu si je peux. Ah ouais, mais... jeu. Vibration manuelle. Ah, intensité. Et quand. De force. Ah, ça c'est pour les volants. Accélérer, freiner. Et quand on pense que nos chers amis de CD Projekt avaient dit oh Naughty Dog, c'est une honte les périodes de crunch et tout, c'est une honte. Nous on fait pas ça chez nous. Putain, les mecs Cyberpunk, ça doit faire un an qu'ils sont comme ça quoi. Ouais mais ils font de la merde, ça fait combien de temps qu'ils aient repoussé leur jeu. Ah là, c'est sur de la glace. Ah bah ouais. Wow. Ah, ils ont pas ah ouais bien. Ils ont pas intérêt de se foirer. Hein. Ah, là, ça va être chaud là sur la glace. Et il est beau le jeu. Hein. Il est sur il la est glace. Bien. Il est... Ah le jeu il est vraiment très, très... Non mais le jeu il est magnifique. Hein. Le jeu waouh. Alors, le petit temps de chargement qui est un petit peu long. Ouais, voilà. Ouais, exactement, Romain. Romain, il dit comme nous, toi, un X vert au ventilo qui affiche un X au plafond, au pire, ou à l'intérieur de la machine, toi, ce serait... Ouais, ils auraient pu le faire, en plus. Ouais, ça m'aurait bien plu. Après, je pense qu'ils, voilà, ils ont voulu... ils voulaient une console plus sobre. Passe-partout aussi. Ouais. Bon, après... Après, moi, c'est ce que je dis aussi. La qualité première des PlayStation, ça n'a jamais été leur beauté. Hein. Non, mais là, la PlayStation 5, elle est vraiment laide. En fait, la PlayStation 5, c'est une Xbox 360. C'est une Xbox... Non, mais c'est une Xbox 360 plus grosse. Ouais, parce que je pense qu'elle va être... Parce que là, il y a un gars qui a fait, je crois que c'est Maxime Chao, c'est des jeux vidéo, de jeux actuels. Il l'a mise à côté de sa télé, c'est une 65 pouces sa télé, et la console, elle arrive à la moitié. Moi, ma télé, c'est une 58, donc la console, elle va quasiment être aussi grande que ma télé.
que bah, vendre la 65 pouces, elle accroche au mur. Donc, on pourrait pas avoir ce problème. Moi, j'accroche au mur. Ah, ça pourra, ça pourra. Ça pourra peut-être caler, ça pourra peut-être caler sur le... en dessous. Ouais, les télés, je les accroche. Ça fait un pied de table. Ouais, moi, bien, j'aime, tu sais, faire un petit coin, tu sais. De toute façon, toi, tu vas mettre des LED vertes autour de ta télé. Mmh. Autour de la Xbox. Pas des LED vertes, tu les as. Ouais. Pas des LED vertes, tu les as. Il va la custom. Bah non, je vais mettre une PC tout en vert. Oui. Ça, ça va rentrer dedans. Ça, bah, ça glisse à mort, là. Ouais, ça, ça glisse à mort, là. Ouais, c'est... la voiture, on a l'impression qu'elle pâte. La voiture, on a l'impression qu'elle pâte. Regardez-moi le pâtir. Oh là là, on va mettre ça... ça mouline. Avec ça, il faut une traction avant. Oh, septième. Là t'as, là t'as pas apprécié la glace, je crois. Waouh. Et puis il y a tellement de vibrations dans la manette que j'ai l'impression d'avoir des fourmis dans la main. Des retours haptiques. Ah non putain, ça fait... laisse tomber, les vibrations elles sont... elles sont intenses. D'ailleurs les vibrations sur la série X, sur la manette, ils ont amélioré, hein. Comme je sais que t'as pas regardé les vidéos. Ouais, j'ai pas regardé. Attends, alors on n'est pas à Fort Boyard. Pour Passepartout, on cherche. Attendez, l'effort du noir avec le logo blanc. Ouais, bah ouais, c'est clair. Moi aussi le vert. Et puis, moi il y a un truc qui me dérange aussi, c'est que c'est exactement le. On en parlait un peu avec Expert. C'est le même menu. C'est le même bouton d'allumage. C'est presque la même manette. C'est le même son. Ouais. Et c'est... la console. Ouais. Bah, la PlayStation c'est pareil. Hein. C'est fait le même bruit. Oui, mais quoi, après attention. Le menu change, la manette change, le menu change. Maniabilité. Ah ouais, j'avais pas vu qu'en fait il y a les lettres à côté pour la performance et tout ça. Bon, en fait, celle-ci elle est nickel, elle fait performance B, ah oui. Maniabilité B. Bon bah voilà. Et ça crée, c'est quoi alors? Tu veux peut-être mettre des stickers et tout sur. Bah ouais, c'est ça. Et peut-être des stickers, vas-y. Essaye de montrer un petit peu tous les menus, tu sais, tout ce qu'on peut faire dans le jeu. Parce qu'on n'y reviendra pas sur Series X, tu sais. Ouais, bah là, en fait, les sticks et tout ça, il faut monter dans les niveaux pour pouvoir les débloquer. Ouais, ouais, il faut monter, ouais, j'ai vu, ça, ouais, niveau 69, niveau 22. Sur Series X, je pense que ça serait mieux de... Ah, tu vois, je viens de débloquer un succès sans rien faire. Attends, je vais, je vais lancer le jeu. Si, j'ai choisi le premier en fait, c'est pour ça que ça me l'a pris en compte. Donc j'ai débloqué un succès. Bon, on va la prendre en rouge comme ça, en rouge en bordeaux. Ouais, histoire qu'elle ressorte bien. Elle est jolie. Hein. Par contre, les reflets, ils sont pas très... Après, moi je suis sur le stream, donc non, forcément reflets, j'ai pas le même rendu sont que... sont pas ouf. Sont pas top non, top. À mon avis, ça, c'est sur ouais, Series X qu'on verra mieux avec le ray tracing. Là, en fait, ils ont dû mettre du ray tracing, mais en fait, il est désactivé sur Xbox One, donc en fait, les reflets sont pas aussi bien faits. Après, là, c'est en qualité graphique. Qualité graphique. On va essayer de voir en qualité. En performance, ouais. Ouais, faudra que t'essayes, mais enfin là pour l'instant. Ah bah Italie, allez c'est parti. Forza di Giamo. Forza Italia. Wow. Et il neige. Et tu vois les textures au sol, là quand c'est à l'arrêt, c'est pas très joli je trouve. Ouais. Ça fait un peu. Mais quand t'es à l'arrêt. Il y a pas le pack encore.
pas que Day One. Ah, il y a pas que Day One, ouais. Bugs, ouais. On a bien vu des deux bugs qu'on a eu dans le jeu. Oui, là. De toute façon, il y aura un patch, Day One. Hein. Bon, après, c'est pas des gros bugs parce que ça a sauvegardé ma partie. Ça a juste bloqué le temps de chargement. Mais t'as vu, j'ai mis en kilomètre par an. T'as vu, j'ai mis en kilomètre par an. Ouais, au moins, ouais, c'est clair. C'est carré. Ça nous parle un petit peu plus. On l'a plus pourtant, t'as vu. On pourra refaire aussi Avengers sur Series X, comme il va être amélioré. Yes! Ah bah ça, on le fera direct. Hein. Ouais voilà, donc il y aura un patch Day One hein, qui réglera parce qu'il y a quelques bugs d'environnement au niveau des textures, le ciel aussi des fois qui est un petit peu différent. Ouais tout ça va arriver. Ouais, même moi ça me dérange pas. Hein. Moi ça me dérange pas. C'est comme vous voyez comment on a pas testé le jeu, tout ça je vois, on a pas testé tout ça, je sais que ça pas trop. Ah mais c'est ça. Ça je sais que c'est les pages Day One. Ça c'est l'inconvénient quand t'as le jeu avant la sortie. Ça a des petits problèmes, bah après c'est normal. Ah bah oui, bah... Pas tout avoir non plus. Pas tout avoir non plus. C'est comme les gens Game Preview. On veut les gens Game Preview. Oui, bah oui, voilà, et il faut savoir voilà qu'il y aura... Ah, on refera du Grand Dead aussi. Contrairement aux gens... Ouais, Grand Dead. Ah, ça... Surtout qu'il est en français en plus maintenant. Ouais, il est en français et officialisé série X aussi. Pour un retour. Pour ça, il y a pas mal de petits jeux à refaire. Ça, il y a pas mal de petits jeux à refaire. Bah, de toute façon, là, à partir de la série X, on va commencer à vous présenter pas mal de titres. Parce que là, on n'était pas très présents parce que bah, il y avait rien. Il n'y avait pas de titre majeur qui sortait et... À cause de nouveaux manières. Voilà, on est... voilà. Et ils sont en train de vivre leur dernier Noël. et c'est surtout que nous on fait pas de on essaie de au maximum de ne pas mettre de répétition. C'est-à-dire on pourrait très bien vous faire tous les soirs jouer à Warzone quoi. Ou tous les soirs jouer à Fortnite, ou tous les soirs jouer à Call of, ou tous les soirs jouer au même jeu. Et nous, en général, on vous fait un let's play, deux let's play, mais on va pas au Et après, les autres là, sur vidéos, c'est sur Twitch, mais sans, c'est sur sans Twitch. Webcam, sans commentaire, rien, on fait du gameplay. Voilà, on nous propose voilà, juste la suite sur Twitch, voilà. Et voilà, on fait pas de caméra, mais derrière, on fait du gameplay pour justement que c'est bien pour éviter ceux qui ont pas joué. Ça lui permet aussi de jouer. Oui, voilà. Comme on a fait avec, le jeu d'horreur là. Little Hop, ouais. On a fait la première partie. On a fait la première partie en stream, la découverte du début du jeu. Et après, j'ai continué à jouer sans micro, sans rien, mais on l'a diffusé sur Twitch. C'est pour ça, c'est. Ça a dû varier un peu. Comme Assassin's Creed, on fera lundi sur Xbox One, mercredi sur Series X, et après on fera le reste du gameplay sur Twitch. Sur Twitch, voilà. Ouais, c'est vrai. Il y a Romain qui dit qu'ils auraient pu mettre une manette Elite, mais après. Après tu sais non, Romain Non, pas de manette Elite, j'en ai déjà eu, non. Moi ça m'a... Je l'ai payé 200€ et on peut mettre la console à 700 dans ces cas-là. Non mais après, non, mais après tu sais Romain... Ça aurait foutu un peu la merde pour Microsoft. Non mais tu sais Romain, ce qu'il y a c'est que... Faut pas oublier que la série X, elle est pas vendue au prix qu'elle devrait être vendue. Elle est vraiment... Voilà, donc... S'il commence à te filer une manette à 250 balles, wow, le souci c'est que les gens, eh ben, ils vont dire bah, au lieu de nous offrir une manette, eh ben, offrez-nous plutôt l'extension de mémoire quoi. Ouais, moi j'aurais préféré ouais. Un disque dur, tu sais, payer 100 balles de plus et puis avoir le disque ouais. dur, la carte 1 Tera à côté quoi. Ouais voilà. Ouais, ils auraient dû faire un pack comme ça ou ouais. Genre, si tu l'achètes en même temps, bah voilà, et.
D'ailleurs, je crois qu'il y a un prix sur les manettes. Alors, c'est marrant. Chez Micromania, donc une manette, c'est 70 euros. Mais si tu achètes une manette avec la console, c'est 60 euros la manette. Mais moi, j'ai précommandé une console et je ne peux pas bénéficier de ce prix. Parce qu'il faut que ce soit les deux dans le même panier. Ouais. En fait, il faut que je rajoute une Xbox et une manette pour payer 59 euros la deuxième manette. Parce que j'avoue que j'aime bien la Blue, la Sonic. Je l'appelle la Sonic, moi. Par contre, pour le disque Par dur, tu sais qu'à contre, pour le 269, la disque dur, carte c'est à mémoire d'un 269 téra la là, carte mémoire d'un téra. 269, tu peux Ouais. l'avoir à 209 si tu la prends sur Amazon Allemagne. Ah, après c'est quand même Ouais, c'est 209, hein. 209, ouais, mais t'économises 70 balles quoi. Bon, de toute façon, moi je pense que je la prendrai, mais dans un an ou deux. Ouais, moi aussi, ouais, parce que moi, comme je dois changer mes écrans de PC là pour passer, je vais tout passer en 4K 120 FPS. Donc, ça va, je vais attendre un peu. Hein. Parce que les écrans de PC, c'est 600 balles un. Ah bah oui. Je vais en prendre deux, Ouais, donc. moi j'ai ma télé 4K HDR, elle fera l'affaire. Putain, là, celle-ci, on vient de faire, gros. Moi après tu sais très bien que j'attache pas d'importance aux 30 60 FPS. Externe parce que Wow, par enlever interne c'est. Ah, par contre avec ouais, et puis avec le soleil, waouh. Ah, je joue avec mes lunettes de soleil. Ah bah t'es obligé hein. Par contre fais attention parce que je crois que dans la vidéo de présentation t'as l'air d'avoir des gros blocs au plein milieu de la piste. Ouais, bah c'est ce que je viens de voir en fait, Ouais, bah c'est. c'est ce que je viens de voir en fait, c'est. Ah tu te fais défoncer Ah ouais, mais c'est un terrain accidenté en fait. Regarde comment il faut monter et tout. là. C'est quoi ce cercle? Ah bah oui bah c'est. Mais si c'est les trucs du buggy, je sais pas quoi là. Tu sais les concours où tu dois monter. C'est chaud. Bah je crois que le but de ce mode là, il faut pas foncer, je crois. Alors je ne répéterai pas. Ouais, putain, c'est chaud. Bah non, t'arrêtes pas de dire que. T'arrêtes pas de me dire que chez moi il fait tout le temps, qu'il fait un temps pourri. Alors, au Maroc, il fait beau. Ah ouais, mais là, mais laisse tomber, hein, les pentes et tout, c'est. Et après, je vais tester un petit peu le mode multi pour montrer un peu le multi parce qu'on l'a pas montré. Voir ce qu'il y a en mode de jeu Alors, sur le multi. attends. Là, comment ça monte? Je crois que si. Ah, c'est les escaliers. Alors par contre, pour le mode multi, normalement, t'auras pas tous les modes. T'auras le mode vampire, le mode king et le mode transporteur qui seront pas disponibles. D'accord. Qui seront. Il y aura une mise à jour Day One. Il y a des problèmes de stabilité du mode multijoueur, tout ça encore Ah pour bon, on me l'instant. montrera sur la série X alors. Ouais. Putain, il est chaud ce circulaire. Les Oh là là, choses putain. C'est tout accidenté tout ça, ouais, c'est. tout accidenté, tout ça, c'est. C'est balèze. Oui, il y a le mode 120 FPS sur les séries. Oui, 920 FPS sur Sur les séries. celui-ci. Poto, il m'a pris pour son pote ou quoi lui? Qui? Le mec dans les commentaires du mode carrière. Ouais, voilà. Ouais, exactement, ouais. Alors,
cas, accepter les épreuves, participer à l'épreuve principale. Ok, pour débloquer les chapitres suivants, Ouais, débloquer un pas de truc. souci, ouais. Ok. Alors, je vais faire Alors, je vais celui-ci. faire celui-ci. Cross X. Voilà, comme ça au moins, Voilà, comme ça, vous au aurez vu un moins, petit peu, vous auriez eu un premier on a vu un petit aperçu peu, vous avez eu un sur le premier jeu. aperçu sur Comme le ça, on jeu. refera On un autre refera let's play la semaine prochaine sur un petit jeu Celebi. la semaine prochaine sur Ça, on Celebi. pourra comparer. Voilà, c'est pour ça Pour que... Comme ça, on vous présente la... Et là, actuellement, le mode multijoueur, il est buggé, donc on n'a pas envie de vous montrer une fausse image. Une fausse image du jeu. Ouais, comme le jeu sort que mardi, on va Je pas. sais que... Déjà, c'est déjà pas mal qu'on a réussi à Ouais, c'est l'avoir déjà pas mal avant qu'on en a achetant réussi la à l'avoir version avant en achetant la version plus élevée. Et comme ça vous fera... Et bien sûr, donc là, le live se termine sur Xbox One Actu, mais allez, abonnez-vous à la chaîne Twitch Xbox One Actu, et je pense qu'Expert va continuer de jouer au jeu ce soir, demain, il va Ah y ouais, je suis jouer. trop Hein, cool, donc donc, là c'est ok. je pense qu'il va jouer pas mal au jeu. Et donc si vous voulez voir plus de gameplay, abonnez-vous à la chaîne Twitch. Et comme ça vous permettra. Bien sûr, donc comme vous expliquez, hein, il n'y aura pas de micro, il n'y aura pas de caméra. Ce sera vraiment juste pour vous présenter du let's play. Hein. La page est là pour vous faire des streams découvertes. À chaque fois on fait toujours des let's play découvertes. Et interaction normalement, Et comme ça tu interaction peux parler avec nous si normalement. on est en Voilà. direct. C'est pour ça qu'on vous dit à chaque fois, si vous avez des questions, si vous voulez voir un mode de jeu précis, si vous voulez voir Un jeu en les particulier. voir un jeu en particulier, si vous voulez voir les voitures, savoir les différentes marques, les différentes écuries. Enfin, en gros, vous nous demandez et on vous montre quoi. C'est le but de nos lives, découvertes en fait. C'est qu'on est présent et on répond. Après sur Twitch, on ne vous dit pas qu'on répondra pas si on voit un Ah oui, ça on commentaire ou deux, répond, on est mais. là. Hein. Mais on n'a pas de micro, on n'a pas Moi je de garde mon webcam. micro s'il y a quelqu'un qui parle et de ça, mais je le coupe. Je parle pas en fait. Si quelqu'un pose une question comme ça en direct, je le tape pas au clavier, je m'arrête pas de jouer. J'allume mon micro et je réponds à la question. Voilà. C'est vrai que ça aurait été quand t'es en train de mettre au pied et tout. Je vais faire allumer mon micro juste un moment appuyé et puis. Ah, comme ça vous aurez pu découvrir. Vous avez pu découvrir plus tard que le PS5 sur sur Xbox One. Yes Romain, bonne soirée, puis bah, merci à toi d'être passé. Hein, Ouais, ça fait pas. et comme d'habitude, tu sais que on va reprendre des lives. Hein, normalement, on va vous présenter du Yakuza, on va vous présenter du Yakuza, du Falconer, du Assassin's Creed, du 13, du. J'ai encore oublié le nom, mais voilà, du Bright Memory. Bright Memory. Ouais. On va vous présenter tout ça. Call of, Planet Coaster normalement. Voilà, D'ailleurs, Call pas of, mal de Planet choses, Coaster, oui. Watch Dogs sur Series X, Ah oui, on vous l'a Watch déjà Dogs. présenté sur One X, mais là ce sera Watch Dogs Légion, qui est optimisé, donc Et on va recommencer au début parce que c'est moi qui ai pas enregistré au début. voilà, exactement. C'est pour ça que en fait moi j'avais fait le stream découverte de Watch Dogs Légion sur Xbox One X. Et Expert vous présentera, lui ne connaîtra pas le jeu, sauf ce qu'il avait vu de mon Mais let's on pourra play. faire pareil pour Assassin's Creed. Oui, que je le présente sur One Ouais. et... C'est pour voir un peu, pour comparer après, pour Mmh. faire des vidéos comparatives, c'est si on comprend tout au départ. C'est mettre le rifle à côté. Ouais bah c'est ça, et puis après essayer de voir pour faire rater les montages comme ils font, tu sais, couper l'écran en deux, je sais pas si ça on peut le Ouais, tout faire. ça je peux le faire, j'ai tout le Ouais, logiciel. en écrivant Xbox One et Xbox Series derrière toi.
Voilà, encore un Mais succès. il est bien beau en tout cas le jeu. Débloqué. Ouais, il est bien beau le jeu. Moi je suis pas forcément jeu de rallye tout ça, mais là le jeu il est vraiment super sympa. Donc le jeu sort, on vous rappelle, hein, le jeu sort mardi et il est déjà disponible dans sa version Ultimate. Oui, surboosté, je Il est sais déjà pas plus quoi, ça s'appelle ça. Alors, ils appellent ça comment? Ouais, je crois que ouais, c'est version surboostée. Je vais vous mettre le lien du jeu déjà. Je vais mettre le lien du jeu déjà. Amplifié d'édition. Voilà, amplifié d'édition. Parce que c'est ce que je fais d'habitude, mais là C'est ce que je fais ça je l'ai pas d'habitude. fait. J'ai pas mis le lien du jeu ici J'ai pas mis le pour lien du l'acheter. jeu. Ah oui. Ça d'habitude je le fais tout le temps. Voilà comme ça. Tac. Ça, Voilà comme ça vous avez le lien. C'est la vous version avez normale, hein. J'ai pas mis la c'est la version version normale, j'ai pas Ultimate. mis la version J'ai mis la version Ultimate. normale. La version normale. Puis comme ça, si vous voulez la Non, version. ça, si vous voulez la version Le Dirt 5 normal vous intéresse, elle est 45 disponible sur le normal store. vous intéresse, elle est disponible sur le store. Oui, voilà, elle est déjà disponible, donc n'hésitez pas à précommander-le. Et si vous voulez voir plus de let's play, abonnez-vous à notre chaîne Twitch. Comme ça, je pense qu'Expert ce week-end va pas mal y jouer, donc comme ça vous pourrez en voir un petit peu plus. Et n'hésitez pas, surtout, abonnez-vous, partagez notre page, ça nous aide. Un abonnement, nous, ça nous encourage. Et donc, comme vous avez dit, hein, les prochains lives, il y aura du Falconeer, il y aura du Assassin's Creed Valhalla, il y aura du, enfin, il y aura du 13, du Gears Tactics, donc Break Memory, comme on a dit, il y aura Yakuza. Il y aura Planet Coaster, il y aura Call of, il y aura Kingdom Hearts, enfin voilà, on en passe Immortal Rising, enfin vraiment énormément de titres qu'on va encore vous présenter d'ici la fin d'année. Ah oui, bah là, oui, c'est sûr. C'est sûr. En sponsor, t'as vu, tu peux prendre AMD. Ah! Bah on voudrait bien être sponsorisé par AMD. Hein. Ah, c'est marrant ça. En vrai? En vrai? Ah oui, en vrai, oui. En Ah bah vrai, oui, on... ouais. Re Bah, c'est clair. recevoir leur carte graphique et Donc tout. voilà, ainsi se termine Et le voilà, stream. ainsi Merci de termine nous avoir suivis le et on vous dit à bientôt pour de nouveaux streams. stream. Dans pas longtemps, vous inquiétez pas, il y aura encore plein de choses qui vont arriver. Merci beaucoup, à bientôt. Salut, salut, bonne Salut à soirée. tous. Ciao. Salut à tous. Ciao.